Voilà. Bonjour. Oh, et en français dans le texte. Je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. C'est le même doubleur que Ian Malcolm dans le film. Bon, c'est cool. Isla Matanceros. Un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable. Ah, et la musique. L'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. La voix de in-game ou la voix de moi est trop faible? Du jeu? Je vais voir pour monter un peu. Alors attendez. Paramètres audio et je vais remonter un petit peu. La musique c'est bon ou... Pourquoi la Wii U elle sonne? Pourquoi c'est allumé cette conne? Oh ah, je vais remonter un peu ça. La voix est faible, alors attendez, je vais baisser. Je vais augmenter le volume principal, je vais baisser le volume de la musique. Ouais, baisse la musique. Et les effets. Tu baisses, toi t'es fort aussi à côté du coup. Alors, vous me direz si là c'est bon. Oui, bon. Je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Oui, messieurs. C'est bon là le son ou c'est trop fort? Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures! Je plaisante! Quoique... Alors, ok, déjà la caméra elle ne masque rien, c'est parfait. C'est bon le son, ok, super. Alors, construire un labo de la création Hammond. Parcourir la barre d'outils afin de choisir une catégorie de bâtiment. Donc, donc ça c'est les enclos. Donc attendez, on a quoi? Ok, je peux aller que dans les enclos pour le moment. Labo de création Hammond, faites revivre les créatures de la préhistoire. Ce bâtiment permet l'incubation, la manipulation et le transfert de dinosaures dans le parc. Des enclos peuvent y être annexés directement. Ok, ça coûte de l'électricité et de la thune. Ok, coût de construction. Obstruction. Alors, comment je tourne? Comment je... Déjà... C'est écrit. Ah oui, ok. Pivoter gauche W. D'accord. Mauvais alignement. Ah là d'accord, ça me coûte 392 000, ma thune elle est en bas, j'ai 3 millions, ok, donc on construit ça. Là on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts, ou plutôt la Cinco Muertes, Cinco puisque Muerte. La langue locale, c'est l'espagnol. La mort en espagnol. Jean Collins, ou Kosuke, bonjour. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Alors, construire le labo, ok, bâtiment relié au réseau d'allées. Donc, allée bas de gamme étroite, d'accord. Alors, attendez, rotation de caméra. Alors déjà, les touches sont inversées, c'est bizarre. Mais... Ok. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Un Struthiomimus. Alors, BD Closon incubation dinosaure. Ok. Un Struthiomimus. Mimus. Oh, il y en a masse, c'est cool. 42. D'accord. Alors, Struthiomimus, incubation 30 000. On peut modifier le génome aussi. D'accord, on va pouvoir améliorer nos dinos. Vous avez créé des raptors. Incubé. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Et bonjour YouTube, enfin, au fait. Enfin, hein. Docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois. Sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, Monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois. Et aussi une prochaine. Alors, transférer le Struthiomimus du labo de la création Hammond. Donc,
Ok, il est créé, transférer le dinosaure. La vie. La voilà qui commence. Quel grand moment. Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Oui, tu peux me féliciter. On a fait un gros poulet. On peut renommer les dinosaures ? Ah, on peut renommer les dinosaures qu'on me dit ! Nice ! Très bien. Oui, d'accord. Alors, attendez. Retour. Ok, oui, retour. Très bien. Et maintenant, je fais... Merci, yeah ! Merci. La Fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. D'accord. Merci à je sais pas qui, il n'y avait pas le pseudo, pour l'achat de Warhammer 40 000 sur mon lien Instant Gaming. Je vous rappelle le partenariat Instant Gaming. Si vous souhaitez acheter des jeux moins chers sur Instant Gaming, n'hésitez pas à faire point d'exclamation IG dans le chat pour avoir mon lien parrainé. Et si vous achetez un jeu avec ce lien, vous avez une superbe alerte. Alors, choisir un contrat. Donc, Dr. Kajal Dua, division science. Isaac Clément, division divertissement. Ou Georges Lambert, division sécurité. On va prendre la science. Astuce, quand vous aurez terminé ce contrat, vous pourrez entreprendre d'autres missions pour n'importe quelle division. Demandez de nouveaux contrats au centre de contrôle. D'accord. Ah, Dr. Dua, je vous présente notre responsable des opérations. Oui, je sais bonjour, qui Nifex. Je parle, Cabot. Je suis le Dr. Dua, responsable de la division science. Bon, il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Comment ça va, Nifex ? Merci encore pour ton message. Alors, construisez un centre des expéditions, alimentez-le en électricité et reliez-le au réseau d'aller. Tiens. Construisez un centre des expéditions, alimentez-le en électricité et reliez-le au réseau d'aller du parc. Il vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier. Ok. Science, récompense. D'accord, donc un centre des expéditions. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Alors, centre des expéditions. Ok, alors, rotation, c'était W. Ok. Obstruction par quoi ? On va le mettre là. Et une dernière chose. Votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention, et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. Oui, messire. Alors, attendez, faut que je relise ça. Je suis surexposé. Ah oui, t'as ouvert la... Attendez, je vais juste régler la caméra deux petites secondes. Je dois ouvrir les volets. Caméra. Ici. Hop. Mieux. Good. Et bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour. Oui, Lixi, les points sont buggés. L'extension est buggée. Je l'ai désactivée pour le moment. Alors, construction, connexion, alimentation électrique, centre des expéditions. On dit que l'argent fait tourner le monde. Mais c'est faux. Ce qui fait tourner le monde, ce sont les contrats, les contraintes et les engagements. Terminez un contrat pour améliorer votre réputation auprès de la division science et vous pourrez entreprendre des missions encore plus complexes et stimulantes. Ok. Alors attendez, centre des expéditions. Le centre des expéditions peut dépêcher des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de fossiles de dinosaures. Suivant. Sectionner un site de fouilles ou mener une expédition un avec une équipe des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles.
L'ADN extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures, ce qui est absolument vital pour notre activité. Ok, sélectionnez un site de fouille ou menez une expédition avec une équipe de fouille disponible. Le centre des expéditions affiche une icône pour vous indiquer si une équipe de fouille est prête à partir sur le terrain. D'accord, alors, je vais me rouler une clope et pendant ce temps, je vais vous expliquer aussi un truc. Il y en a beaucoup qui disent que ce jeu est trop cher, je suis d'accord. Le jeu est trop cher actuellement. Mais si vous voulez jouer à un jeu Jurassic Park, de gestion de parc, je vous conseille, si vous voulez pas prendre celui-ci, le jeu Jurassic Park Opération Genesis, qui date de 2007, je crois. Qui est un peu vieux, mais qui a très très bien vieilli, qui est très très fun. Alors, il n'a pas une durée de vie monstrueuse, hein, on fait vite le tour du jeu. Mais je pense que vous pouvez le trouver possiblement en abandonware, ou peut-être sur, en pas cher sur Instant Gaming ou sur Steam. N'hésitez pas à regarder, il s'appelle Jurassic Park Opération Genesis. Mais après, si vous voulez un jeu récent, n'hésitez pas à sauter sur celui-ci, si vous en avez les moyens. C'est vrai qu'il est un peu cher pour le moment. Alors, centre des expéditions affiche une icône. Ok, donc continuez. Donc, en service, info, carte des expéditions. Alors, transmission, message entrant. J'ai une proposition qui devrait vous intéresser. Que diriez-vous de collaborer pour créer la vie dans sa forme la plus pure? Si vous avez parlé au docteur Malcolm, vous savez combien c'est important à nos yeux. À mes yeux. Alors, établir 50% du génome de Triceratops. Ok, commence la mission. Donc, nouveau fossile découvert, formation de lance spécimen commun, Triceratops. Je savais que nous nous entendrions. Un esprit curieux, Ceratosaur. Une détermination sans faille. J'étais sûre que vous ne refuseriez pas une telle opportunité. Bien, au travail. Ok, donc là nous avons ensemble, une fouille en cours. Nous pouvons créer des spécimens plus authentiques. Mais pour cela... il nous faut un génome complet. Et je crois que vous pouvez m'aider. Alors, ne me décevez pas. Très bien. Donc là, on a une fouille en cours pour le Triceratops. Parfait. Ouais, mais... votre première équipe de fouille est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles, qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Ok. Alors, donc Triceratops, ça, c'est en cours. Ensuite, que fais-je? Qu'est-ce qu'on a? Centre des fossiles. Au final, votre boulot est assez simple. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. La nature et le commerce. Simple, non? Ouais, facile. Bonjour Smartouille, bonjour Cifrano, bonjour. Le centre des fossiles vous permet d'extraire de l'ADN de fossiles ou d'ambre afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures. Passionnant, non? Oui. Alors, procéder à l'extraction d'ADN de fossiles pour établir les génomes de chaque dinosaure. Les génomes viables vous permettent de créer des dinosaures dans le labo de la création d'Amond. Création Amond, pardon. Les expéditions rapportent parfois des découvertes qui peuvent être vendues pour engranger des fonds. Ok. Donc ici, accéder aux fossiles. Donc j'ai différents fossiles, prélever de l'ADN, vendre. Donc on a un fossile de Struciominus. Alors est-ce que j'en ai besoin? Je sais pas encore, on verra. Struciominus, Triceratops. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, hein. Prélever de l'ADN. Et là on devrait passer du coup au-dessus des 50% de ce qu'on avait besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dinosaure, nouveau dinosaure. Donc ouais, on a débloqué le Struciominus. Parce qu'on l'a fait venir dans le parc. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? Les gènes. Dureté des griffes et des dents. L'ADN des exosquelettes du cerf-volant. Lucanus cervus. Contient une quantité élevée de kératine permettant d'obtenir des dents et des griffes incroyablement solides. Ah! On va pouvoir créer les raptors que l'on veut. Les dinosaures que l'on veut. Crocodile. Créer des dépôts osseux persistants dans les dermes. Ce qui le rend plus résistant. Ok. L'ADN de chauve-souris peut être utilisé pour développer de puissants tissus musculaires cardiaques et pulmonaires. Et digestion efficace, l'ADN de varan favorise une digestion rapide et efficace de toutes sortes d'aliments. C'est cool comme ils ont fait ça. Ici, on a les lieux. Donc actuellement, on a Isla Matanceros. L'île la plus septentrionale de l'archipel de Las Cinco Muertes. Muertes, la mort en espagnol. Comme pour les autres îles, à l'exception d'Isla Sorna, Ingen n'y a mené aucune opération connue. Isla Matanceros
est réputé pour ses chaînes de montagnes escarpées et sa forêt tropicale luxuriante. Le climat y est plus clément que dans le reste de l'archipel. Ok, et ensuite les archives, qu'est-ce qu'on a ici? Personnages. Ah, monsieur ADN, excellent, on peut débloquer les personnages. Ah non, si, personnage de Jurassic World. Elle, je sais plus. Mais lui, il est dans Jurassic World, c'est gros con, je crois. Hein. Et monsieur ADN, c'est Jurassic Park. Les maladies. En prélevant l'ADN des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles. Ah, je vais pas en pause quand on est en la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. Et on a. Ok, on a découvert l'arénite. Un rhume. Et donc, on a chopé des fossiles de Struthiomimus, de Deadmontosaurus et de Rhenium. Donc, ça, c'est juste pour la revente, apparemment. Donc, on va revendre ça. Ok. Donc Triceratops 50%, ça je crois que c'est en cours. Ici on peut relancer une expédition. Ou elle est encore en cours. Ah, partiellement fouillé, ok, on peut débloquer. On peut rechercher le Ceratosaur. On a débloqué une nouvelle zone aussi pour l'Edmond ou le Struthiomimus. Et ça c'est quoi ici? C'est rien. On va chercher le l'Edmontosaur, tiens. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons, en créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. Alors, la recherche permet d'améliorer et de développer différents aspects de vos installations. Vous pouvez aussi chercher à découvrir de nouveaux gènes ou améliorer des gènes existants pour les transmettre à vos dinosaures. Certains éléments ne peuvent être déverrouillés que si vous possédez un niveau de réputation nécessaire auprès de la division correspondante. Ok, bonjour Kraochino. Oui, mais là, Choukou, il n'y avait pas d'ADN dans le truc que j'ai vendu. Ok, donc là, je peux faire accès de recherche. On peut faire des recherches. Donc, enclos, un élément disponible. Clôture électrifiée, je pense que ça me paraît intéressant, important. Bâtiment. Boutique de prêt-à-porter. Ça, c'est pour de la thune. Amélioration de bâtiment. Attendez, islam à bénéfice par minute. Ok, on est en négatif. C'est pas très grave, pour le moment, on est dans le tuto. Centre des fossiles. Merde. Bon, j'ai fait... Non, on peut la cancel ou pas? Pas l'impression. Traitement médical, recherche génétique, gène d'apparence. L'épissage de ce gène permettra de créer des spécimens aux motifs cutanés vert et gris. Ah, on peut même modifier la couleur de peau des... D'accord. Ok, bon, là on a une recherche en cours donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Centrale électrique, donc ça c'est pour l'électricité, logique. Je suis Owen Grady, mais mes amis m'appellent Owen. Et les autres aussi d'ailleurs. J'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Pour les Raptors. Et plus précisément, pour Blue. On a une relation unique, tous les deux. Comme Claire et moi, mais moins compliqué. Merci beaucoup, Croeco, pour le host. Bienvenue à vous, alors. L'électricité est indispensable à toutes nos activités. Il faut surtout pas l'ignorer. Sans elle, nous sommes dans le noir. On n'est pas sur, sur World of Tanks, hein. C'est un peu plus posé comme jeu. Merci pour le host, en tout cas, bienvenue à tous. Double annonce de... Ah mais oui, il y a les annonces en double, attendez, excusez-moi. Je coupe ça, voilà, il y aura plus d'annonces en double, excusez-moi. Merci Kroiko. Tiens, ça me fait penser, demain soir on fait du World of Tanks avec Bill. Il y aura du World of Tanks en stream demain soir. Alors, électricité, centrale électrique alimente vos îles, votre île en électricité. Les postes électriques distribuent l'électricité aux bâtiments voisins. Veillez à relier les postes électriques aux centrales électriques à l'aide de pylônes. Ok. Ça, c'est standard dans les jeux de gestion. Pas de problème. Alors, par contre, attendez. Je peux pas dépasser la caméra avec ZQSD. Allô? Pourquoi je peux? Ah si, je peux. C'est juste que j'avais un bâtiment sélectionné. Ok, on peut pas mal dézoomer. C'est cool. Est-ce que je ferai pas un nouveau petit dino? Alors, génome insuffisant. Ouais, d'accord. Le triceratops, c'est pas encore bon. Est-ce qu'on se... Ouais. J'ai cru comprendre. On va se faire un deuxième Struthiomimus, incubé à 30 000 balles. On a encore 2 millions, donc ça passe. Est-ce qu'il y a des bâtiments que je n'ai pas encore vus? On n'a pas une entrée de parc, on n'a pas des... Si, on a une entrée... Lieu d'arrivage. En service, fermer le parc, ok. Donc le parc est ouvert actuellement. Échec d'incubation. L'un des bébés dinosaures de la création Amond 1, était trop fragile pour survivre. D'accord. Alors, les incubations de dinosaures... L'un de vos œufs n'a pas incubé. Mais je n'ai jamais dit que ressusciter les dinosaures serait facile.
Alors, les incubations de dinosaures s'appuient sur un génome inachevé. S'appuyant sur un génome inachevé peuvent échouer. Reportez-vous à la viabilité pour connaître les chances de succès de l'opération. Le labo de la création Hammond peut bénéficier d'améliorations de la viabilité. A l'inverse, la manipulation de gènes aura un impact négatif sur vos chances de réussite. La manipulation de gènes augmente le coût d'incubation, mais les dinosaures ainsi créés peuvent présenter des avantages intéressants et de meilleures notes. Ok. Alors, voyons voir un petit peu les menus. Donc, centre de contrôle. Note de notre île, comptabilité, donc on est en négatif actuellement. Les missions en cours. On a quoi comme mission? C'est le... ouais, Triceratops à 50%. Réputation, la réputation, donc ça il faut que je fasse des missions pour augmenter la réputation si j'ai bien compris. Et les contrats en cours, nouveau contrat, demandez un nouveau contrat. Les contrats permettent d'améliorer votre réputation qui à son tour contribue à votre progression. Demandez un nouveau contrat à la division de votre choix pour accroître votre réputation auprès d'elle. Donc on peut faire une demande de nouveau contrat, division science, go. Nous avons besoin de ce contrat, et donc de vous. Alors, menez l'incubation de 3 œufs d'Edmond à travers le, à terme dans un labo de création d'Amond. Ok, il n'y a pas de temps limite, donc on va l'accepter. On est en train de faire des recherches. Ok, création. Donc ça c'est les deux contrats, non. Ok, ouais, on peut avoir un certain nombre de contrats à la fois. Alors, voyons voir sinon, on a la carte. La carte qui peut nous... Ok, qui nous permet de voir d'au-dessus. Alors, l'île a pas l'air monstrueuse. Après, c'est que la première, hein. C'est que la première île. Vue gestion, donc ça, ok. On voit électricité, etc. Expédition en attente. Une équipe de fouilles est en retour et attend la place libérée des fossiles, d'accord. Ah, il faut que je fasse de la place, donc il faut que... Donc, on va prélever l'ADN de ça. Est-ce qu'on peut faire une prélève... prélever plusieurs trucs en même temps? Oui. Ah, ils sont en attente. Oui, ils sont en liste d'attente. Okay. Donc, Edmond, on va extraire. C'est un ceratosaure, on va extraire. Le strociominus, on va extraire. Et l'edmontosaure, on va extraire. Ok, donc là, ils sont encore en attente parce qu'il n'y a pas de place, je pense. Hein. Mais ça prend 20 secondes et après, ce sera bon. Enclos, donc ça, c'est pour la construction d'enclos, d'accord. Ça, c'est labo de création, les clôtures, la porte... Une mangeoire pour petits herbivores. Est-ce qu'on a une mangeoire déjà là-dedans ou pas? Non. J'ai pas l'impression. Je vais mettre une mangeoire de base. On va la mettre là. Ok, on a qu'un dino, ça devrait suffire. Les opérations. Alors, poste de garde. Envoyer une équipe de garde réparer des bâtiments et des objets, remplir des mangeoires. Prendre des photos et administrer des médicaments aux dinosaures. Oui, on veut des photos de notre parc. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Pourquoi je peux pas le mettre là? Contrainte de terrain, d'accord. Je peux le mettre par là? Oui, je peux le mettre là. Ok, par contre, je suppose... Ah, il est peut-être alimenté. Je sais pas si ça fournit l'électricité ou pas. On verra. Les visiteurs. Attendez, on avait quoi d'autre? Centre de lucé. Je permets de réagir rapidement en cas d'incident dans le parc. Ça, il va falloir le faire aussi. Coûte 400 000. J'ai plus beaucoup de thunes, hein. Allez. Tourne. Par là. Là, parfait. Recherche terminée. Taille d'inventaire sans des fossiles. C'est pas la recherche que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va mettre la route. On dirait que vous êtes à court d'électricité. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Ouais, bah, tu m'étonnes. Construisez de nouvelles centrales ou augmentez votre production. Tac. Tac. Donc attendez. Construire une nouvelle centrale, c'est dans quoi? Opération? Non. Électricité. Centrale électrique, petite, poste... Ok, donc on va construire une autre centrale électrique. Sans électricité, oui. Où est-ce que je peux le mettre? Ah, le parc, il est petit, hein, pour commencer. Donc, on va le mettre là. Il faut relier en électricité, ça c'est bon. On va mettre la route. Ok. Ah, attendez, où est-ce que je vois mon... Alors, attendez. Bonjour. Bonjour. Je suis Isaac. J'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet. Je dirige la division divertissement. À quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir? Ne répondez pas. C'était une question rhétorique. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. Ah, je pouvais améliorer la centrale. Ok, c'est pas grave. Alors, faites au moins 300 000 de bénéfices en vendant des objets obtenus en expédition. Ok. Donc électricité, là ça devrait être bientôt bon, dès que ça s'est terminé.
Au niveau de la recherche, c'est... Non, c'était pas là. Ça, c'est échec d'incubation. Ok, il faut que je jette. Est-ce que je peux... Non, Triceratops, c'est toujours pas bon. Bon, je vais quand même réincuber lui. Ah ouais, non, mais j'ai plus de pognon, en fait. J'ai plus de pognon. Accéder aux fossiles. Hein? Ouais, ouais. Du coup, ouais, visiteur, abri d'urgence, boutique de souvenirs. Où est-ce que je peux la placer? Là? Et j'ai vu que... Voilà, là. Parfait. Centre de... C'est bon. L'électricité, ça arrive. Si j'ai que ton incubation, c'est terrible, surtout quand ça t'arrive sur un dino à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok, donc on a une boutique de souvenirs qui arrive, l'électricité, c'est réglé. Et du coup, comment je peux améliorer ça? Ah, ici, emplacement d'amélioration libre. Non, je peux pas, en fait. Les améliorations, j'ai pas encore débloqué. Je pense pas que je pouvais. Ouais, du coup, ouais, recherche d'ailleurs. Accéder aux recherches. Alors, nouveau génome viable, l'Edmond. Bâtiment. Amélioration des bâtiments. Production électrique. Augmente de 14% la production totale d'électricité des centrales améliorées. Génère un risque de coupure de courant de 5%. Les équipes de maintenance réduisent le coût d'entretien des centrales électriques améliorées de 10%. Les dispositifs de liaison à la Terre réduisent de 10% le risque de coupure de courant dans les centrales améliorées. Ça coûte 100 000 balles. Peut-être pas faire ça maintenant. Je pense que l'électricité est bon. L'analyse ADN augmente de 10% la viabilité des dinosaures dans le labo de la création d'Amond. Ok. Sinon, j'ai quoi d'autre? Alors là, j'ai rien de dispo. Recherche génétique. Nouvel élément de recherche disponible, apprentissage intuitif 1.0. L'épissage de ce gène améliorera les caractéristiques attaque et résistance. Les tests prouvent que l'ADN de corbeau permet de former des liaisons neuronales rapides dans le cerveau. Vas-y, on va chercher ça. Tout pas en cours et à la fin, très probablement, oui. Très probablement. Donc attendez, j'ai une expédition qui dispose. Ça me coûte de... Ouais, ça coûte de l'argent d'envoyer des expéditions. Je vais peut-être pas l'envoyer tout de suite vu la thune que j'ai. Par contre, un deuxième dino, ce serait bien parce que si les mecs ils viennent, ils payent des fortunes. Ah oui, mais on a débloqué l'Edmond. On va faire un Edmond. Venez dans mon parc avec mon seul. Mon dino. Voilà, j'ai testé de faire un Edmontosaure. Donc je dois en faire 3. Bénéfice. Alors attendez, du coup j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut revoir des trucs? Est-ce qu'il y a des infos? Prix de vente. Ah, je peux augmenter les prix de vente. Boîte à Anka. Barbasol, on va mettre à 10 balles. Gérer le personnel. On peut mettre le personnel dessus et affichage gestion, divertissement. Ça doit être uniquement pour nous, je pense. Oui, oui. Apparemment, ouais. Il faut des dinos pour attirer du monde et gagner toujours plus. Ouais, je pense bien. Hein? Si, si, j'ai augmenté le prix. Si j'ai passé à 8 dollars. Il était à 6. Et si. Ah, ça me coûte. Ah oui, non, d'accord, ok. Ça, c'est ce que ça me coûte et ça, c'est le prix de vente, je pense. Si j'ai bien compris. Ouais, ouais, voilà, c'est bien, c'est ce que dit Niflex. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est, je suis repassé sur le truc à 4. Il est à 8. Il est à 8. Coût 4, prix de vente 8. Ouais, il me faut des dinos. Vraiment galéré si tu suis pas l'émission qui te propose. Mais je suis en train de le faire, hein, le Triceratops et l'incubation de l'Edmontosaure, je suis en train de le faire. Attendez, d'ailleurs, ouais, centre de fossiles, c'était où? C'est ici. Accéder aux fossiles. Ah, j'ai des nouveaux, alors attendez. Edmontosaure. Empreinte de peau. Donc ça, on est d'accord, aucun ADN, je dois le vendre, hein. Un dinosaure atteint l'âge adulte et est prêt à quitter le labo de création d'Amande. Parfait. Et ça ici, il n'y a pas d'ADN non plus, on vend. Alors. Transférer le dino, et alors? Bip bip. Salut Edmond. Ouais, on est en négatif, ça, on est au courant. Les premiers fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts au Canada, dans la formation d'Edmonton, d'où son nom. Le tyrannosaure en raffole, et ça se comprend.
Ok. Alors, attendez. Si je clique dessus, donc, on m'a dit... Comment je vois pour s'afficher ? Ah, statistique, R. Ah ! On va leur nommer Croeco. Merci Croeco pour ton host. Hop là. Alors on va faire comme c'est Marmotte, je crois qu'il me l'a dit. Les carnivores, ce seront les modos. Les viewers, vous serez les herbivores, bouffés par les modos. Ce sera parfait. Alors, on a 300 000 boules. Je vais peut-être quand même relancer une... parce qu'il faut que je débloque le Triceratops. Carte des expéditions. Donc voilà, Triceratops, on va renvoyer ici. Et le Edmontosaur, combien il coûte ? À créer. 170 000, ouais, putain, je vais vraiment plus avoir de thunes. Hein. Triceratops, on est à 48%. Allez, je vais faire un Edmont. Il nous faut des gens et... Ah ! On est bientôt bon au niveau du bénéfice des visiteurs. Il y a quelques personnes dans le parc. On sait combien ils sont ou pas ? On peut pas savoir ici. On a des nouveautés ici. Personnages, des nouveaux personnages, ouais, ok. Ça. Le Lewis Dodgson. Il y a tous les persos des films, c'est cool. Échec de l'incubation. Fuck ! Putain, j'ai plus de thunes. 170 000 de perdu alors que j'avais 300 000. Super. Hein ? Ouais, ouais, mais là j'ai plus de thunes, je peux pas le faire. Oui, mais j'ai 128 000, je vais garder un petit peu de marge, je pense, en cas de besoin. Hein. Les viewers et les subs seront les herbivores. Là, on a une place pour un sub. Non, ça c'est Croeco. C'est Edmond, on a une place ici. Du coup, alors attendez, est-ce que la mangeoire. Alors, mangeoire. Tout comme les humains, les dinosaures ont des besoins alimentaires qui leur sont propres. Alors, veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriées. Personnellement, je suis un gros mangeur de viande. Les mangeoires distribuent de la nourriture à intervalles réguliers, les aliments non consommés étant alors détruits. Elles doivent être réapprovisionnées par des gardes en véhicule. Les grands dinosaures mangent plus que les petits. Captain Obvious, merci. Si trop de dinosaures utilisent la même mangeoire, certains risquent de souffrir d'inanition. Les dinosaures à 0% de nourriture ou d'eau sont en état d'inanition et de déshydratation. Et leur santé chute rapidement jusqu'à ce qu'ils meurent. Ok, bon, bah ça va, je pense que deux dinos sur une mangeoire, ça devrait aller. Et j'avais fait, justement, j'ai fait ça. Donc, équipe de garde. Ah. Ouais, je suis à 100%. C'est bien ce que j'avais vu. On peut piloter nos propres véhicules. Alors, est-ce que quand je passe comme ça, les dinos peuvent sortir? Après, c'est des herbivores, on s'en fout un peu, mais... donc on a fusil hypodermique. Je passe. Ok. Non, redonne le contrôle, conduire. Prenons une photo. Allez, prenons une photo de nos jolis dinos. Je peux pas conduire en même temps. T'as pas peur de moi, on est d'accord. T'es là. Non, c'est mauvais bouton. Prenons une photo. C'est la mauvaise arme. Reviens ici. Ah oui. Et ça rapporte de la thune. Composition, dinosaures multiples, diversité de comportement. Ok. C'est dans la boîte. Ça c'est cool. Très très cool. On va prendre une photo du gros aussi. Salut Edmond. Ah, Edmontosaure, ça vaut de la thune. Merci. Ok, et du coup, retour. Voir ce que ça donne. C'est bon, vous pouvez rentrer les mecs, hein. C'est quand même tout seul. Des nouveaux fossiles. Alors, nous avons Edmontosaure, pas maintenant, Edmontosaure, pas maintenant, Edmontosaure, pas maintenant, Triceratops. Prélevé de l'ADN. De la coprolite, ça on vend. Et du rotium, on vend. Ok. Bonjour, Mingapanda. Bien joué. Je débute, oui, je découvre, là, complètement. Complètement. C'est bon le contrat, du coup ? Contrat, c'est bon. Salut, c'est Salut. Moi, Isaac. Comment va ? J'ai pas mal de projets sympas à vous proposer, si ça vous branche. Venez rejoindre l'équipe des gagnants, mon équipe.
Alors, donc 50% sur le Ceratosaur. On prend la mission, ok. 1 million de... Ah non, la mission en cours sera abandonnée, donc pas maintenant. La mission en cours que j'ai, c'est les 3 Edmontosaures. Bon, on va retenter un Edmontosaur, hein. Incubé. Oui, mais là, je suis en train d'augmenter le Triceratops pour le moment. On va peut-être pas relancer une expédition tout de suite, vu le pognon qu'on a. C'est bon, la voiture, elle est rentrée? Ouais, elle est rentrée. Et c'est le déluge! Nouveau génome viable, Triceratops, nice! Créer un génome, établi, incuber l'œuf et transférer. Ok, il me faut un Triceratops. Je crois même être sur le point de faire une percée extraordinaire. Et je dois vous remercier, car c'est en partie grâce à vous. Reste à incuber un œuf, à le faire éclore, et à transférer le spécimen dans son enclos. Nous verrons alors si nos efforts ont porté leurs fruits. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Est-ce que je peux prendre maintenant la quête de Isaac? Entrée, plus d'infos. Mission disponible. Un parc commercial. Attendez, je comprends pas. Comment je fais pour la prendre, la mission? Je peux... Comment je fais pour prendre la mission, bordel? Un nouveau contrat est disponible et j'ai besoin de quelqu'un. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Compléter le génome dinosaure à 60% ou plus. Et là, j'ai pu l'accepter. Bon, je sais pas. Pour le moment, j'ai le génome à 60% et il faudrait que leurs deux ennemis, trois ennemis et un triceratops. Allez, me fais pas chier. Deuxième ennemi. Merci, on a réussi. Vas-y, on l'a déjà vu venir. Donc on a deux places pour les subs au cas où. On a deux ennemis et niveau thune, c'est un peu léger quand même. Occupation dinosaure. Combien coûte le triceratops? Ouais, trop cher. Trop cher. Et le Edmond, trop cher. Il me faut de la thune. Est-ce qu'on ferait pas des trucs pour les visiteurs? Ah, j'ai pas assez de thunes. J'ai de la thune pour rien, en fait. On va peut-être attendre que ça, ça génère un peu plus de thunes, je pense, hein, du coup. On a le... On n'a pas de rapport sur combien ça, ça rapporte. Là, je sais pas si je suis en bénéfice ou en déficit actuellement. Après, on a plus de dinos, donc normalement plus de visiteurs, donc plus de thunes. On peut... Non, on peut... On n'a pas de rapport sur les... On a des rapports ici. Note de l'île. 3 dinosaures, diversité limitée, bien-être excellent, sécurité irréprochable, sécurité... Ah, attendez, c'est quoi? Je suis Claire Dering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. Alors, l'écran de gestion de l'île offre une vue d'ensemble des principaux éléments de gestion de votre île. J'ai deux règles fondamentales. Gérer les animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour nos visiteurs. Ouais, Neken, oui. Alors, l'écran de gestion de l'île offre une vue d'ensemble des principaux éléments de gestion de votre île. Consultez votre note de l'île, votre réputation auprès des divisions ainsi que la récapitulatif de votre comptabilité. Vous pouvez également suivre la progression de vos missions et de vos contrats actifs pour l'île, l'île actuelle. Alors, donc, ok, 3 dinosaures, diversité limitée, bien-être excellent. Note des installations, satisfaction insuffisante. Ok, donc on peut débloquer les îles en améliorant notre note ici. Déplacement sur les îles, vous êtes ici, donc les autres sont bloqués, ça on est d'accord. Carte des expéditions, ça on a déjà vu. Les fossiles. Ok. Attendez, si je monte à 60% sur un ADN, je crois que je gagne la thune. Ça, c'est les recherches, ça, c'est les bases de données, ok. Ok. Attendez, au niveau des génomes, on en est à quoi? Il est où mon parc? Mon labo, il est là. On en est à quoi? 60... On est à 78% sur Strutiominus. Il veut que je monte peut-être le Triceratops. Ah, un nouveau gène.
Attendez, la thune est remontée, donc si je prends le risque de me descendre à 7000 balles, on a 52% de chance de compléter la mission ici. Allez, Edmond. Partiellement, Treverniak. Les dinosaures étaient déjà sur le déclin. Et ça n'a fait que accélérer la disparition des dinosaures. Mais sans la météorite, ils auraient disparu quand même. C'est qui avait fait une super vidéo là-dessus? C'est Astronogeek, je crois. Je crois qu'Astronogeek avait fait une excellente vidéo dessus. Ok. Ah oui, on n'avait pas vu. Attendez, aménagement. Donc ça, c'est pour mettre des arbres, de l'eau, des montagnes. Ok. Et ici, c'est pour la destruction. D'accord. Et le pognon, ça va, ça remonte, hein, ça remonte. Et échec. Va te faire mettre. Slasherman, merci pour les 15 bibites. Merci beaucoup, Coprolite. Attendez, c'est un dessert. Mesdames et messieurs, ce soir, Coprolite. Merci beaucoup. Tu perds beaucoup plus d'argent à essayer de mettre des. Oui, mais j'avais pas la thune pour faire de la recherche de génome. Si. Oui, mais ça coûte de la thune. Ça me coûte 40 000 là. Bah, je vais pouvoir. Ouais, on va le faire. On est quand même en bénéfice pour le moment. Faible, mais bénéfice quand même. Ils sont à 100%, 100%. Et où est le troisième ? Sont tous à 100%. Par contre, le confort. En bonne santé, c'est la barre rouge. Attendez, Isla Matasaron, bénéfice par minute. Ok, on est en bénéfice, ça c'est cool. Ah, d'accord, je pense que le trait rouge en fait c'est la limite. Si jamais il passe en dessous de 50%, c'est pas bon. Là, lui, il a pas besoin de beaucoup de confort alors que les Edmontosaures, on peut voir qu'ils ont. Non, attendez. Oui, l'Edmontosaure a besoin de plus de confort. Ça va être ça, je pense. Oh, ça fait du bien la fenêtre ouverte. C'est ça, Captain, ouais. Chicxulub. Je sais pas si ça écrit comme ça, mais voilà. 50 000, allez. Fossile. Et on va donc rechercher Edmond. Il est de qualité 4. Deux de qualité 4, go. Pas grand chose Vic, t'inquiète, on a commencé il y a pas longtemps, il y a 50 minutes et pour le moment on est encore en découverte. Ah, cliquez sur mon pognon, là je vois les infos, voilà. Alors, vente de billets, revenu des attractions, ça c'est ce que ça nous coûte, ok, donc c'est la vente de billets qui nous rapporte le plus actuellement. Ok. Nous rapide, merci pour le follow. Alors, il y a un truc, c'est une critique qui a été ressortie par à peu près tout le monde. C'est on ne peut pas accélérer le temps. Ça viendra très probablement. Actuellement, on ne peut pas accélérer le temps. Donc, des fois, il n'y a rien à faire. Contrat terminé. Ce contrat était d'une importance capitale pour la division science. Un petit peu de thune. Grâce à vous, nous disposons d'un nouveau génome. Le jeu en vaudra la chandelle. Tout le monde le verra bientôt. Donc, c'est l'Edmontosaure qu'on a fait passer à 63%. Nice. Donc, on va faire la recherche de celle-ci également. Et quand celui-ci est terminé. On fera notre dernier Edmontosaure. Et ensuite, on fera le Triceratops. Alors, il y a des fois, il faut juste attendre. Donc, on attend. On peut, pendant ce temps, éventuellement essayer de se faire une petite photo. Attendez. Équipage de garde. Conduire un véhicule. Faire une photo composée avec deux. Est-ce que la musique du véhicule est pas un peu forte? Ah oui, comportement, attendez, pendant qu'il mange. Ah! Oh, elle est splendide cette photo! Elle me rapporte ma thune. Pour la composition. Ah, il voit pas les plusieurs dinosaures. Ok. Ah, attendez. J'aurais pu la vendre en fait, je l'ai pas vendu, je sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû la vendre.
Est-ce que l'autre peut se tourner? On va éviter de rouler sur mes dinos à moi. Hein. Non, elle est pas belle. Allez, je la vends, j'en refais une. Hein. Un beau moment à immortaliser. Itération d'espèce. Ah, si on fait trop de fois les mêmes photos, ok. Mais j'aimerais faire une avec deux dinos dessus. Pas très beau, mais on a le bonus pour les deux espèces. Bon, allez, de la merde. Retour. Lance les expéditions et revends. Ouais, faut que je fasse ça aussi, ouais. Ah, attendez, du coup, le génome, c'est terminé? On n'a pas d'alerte quand c'est terminé. Bon, je vais faire cette recherche-là. On va lancer un nouvel Edmond. Edmond, 72%. Go. Et on va lancer également... Effectivement, une expédition. Alors attendez, j'avais vu qu'il voilà, y a un point ici pour... Ah, on n'a pas les fonds. Ah oui, ah, j'ai plus que 6000. Merde, c'était plus cher que ce que je pensais. En tout cas, le jeu est super beau. Hein. Le jeu est vraiment, vraiment beau. C'est ça, Troverniac, ouais, c'est ça. Il est beau et fonctionnel, effectivement. Après, comme disait Marmotte, en fait, c'est pas un jeu de gestion hardcore comme peuvent l'être Factorio ou Rimworld. C'est plus pour du casu, du jeu casu. Ça me va aussi. Ça me va aussi. Mais dans les jeux hardcore, vous en faites pas que du Satisfactory, vous allez en voir beaucoup. Beaucoup sur le stream, très probablement, hein. Peut-être qu'il y a chier, mais là actuellement, moi, ils me vendent du rêve. Et on fera probablement un serveur avec IPR, Marmotte et Bill sur Satisfactory. On n'a pas de date pour le moment, c'est juste écrit Coming Soon actuellement sur Steam. Mais je suis sur leur Discord, sur leur Reddit, sur leur Twitter, je suis à fond le projet. Edmond, fini. Vous avez fait un travail époustouflant. Je sais. Donc nous avons 3 Edmond maintenant. Récompense de réputation. C'est ce qui nous construit ou nous détruit. Parfois les deux en même temps. Et sur Isla Matanseros, vous avez bâti, pour vous comme pour nous, une belle réputation. Ça mérite une récompense. Ah. Mais j'ai déjà eu ma récompense, c'est des trucs de science. Bref, il faut qu'on fasse un... Donc on a reçu un peu de thunes. Est-ce que je peux faire un Triceratops? Il y a combien de Triceratops? 50%? 54%? On va peut-être faire une expédition avant. Pour Triceratops. Ah, attendez, donc ici on a quoi? Merde, j'ai lancé... Ah, putain, c'est clic instant. Bon, bah, ça sera le Ceratosaur. Tant pis. Bah, c'est ce que je dis, Treverniac. Vous allez en voir beaucoup sur la chaîne. Il a l'air incroyable. Du coup, on n'a pas de fossiles actuellement. On n'a plus rien à faire ici. Mais attendez, c'est quoi que j'ai... Centre de recherche, c'est ici que j'ai débloqué des nouveaux trucs. Alors, recherche génétique. Donc ça, c'est OK. Des nouveaux sapins, on s'en fout. Enclos, bâtiment. Je sais que vous faites du bon boulot. Et j'aimerais beaucoup que vous vous chargiez de ce un fast-food, oui, pour de la thune. Go. Boutique plus de prêt-à-porter. Plus on aura de bâtiments, plus on pourra engranger de bénéfices. Boutique de souvenirs, hôtel, fast-food. Il me faut 170 000, on y est presque. Et merci beaucoup Nifex qui sub avec Twitch Prime. Merci beaucoup Nifex, bienvenue, allez. Tu seras notre... Non, c'est Croeco qui est notre... Non, pardon. Tu seras notre Struthiomimus. Merci beaucoup Nifex et bienvenue. Nifex 8. Hop là. Merci beaucoup.
MGapanda, c'est écrit Coming Soon sur Steam. Donc on ce sera courant de l'année vraisemblablement, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Alors, la thune, 150 000. Combien on avait besoin ? Là, c'est pas ça. 180 000. 170 000. On y est presque. En plus, on a l'expédition qui va revenir. Elle en est à quoi l'expédition ? Attendez, c'est où je vois ça déjà ? C'est ici. Ici. Ouais. Moins d'une minute. Ok. Négro, j'ai pas craqué. J'ai reçu la clé des développeurs. Comme je disais, le jeu était trop cher, je l'aurais pas acheté si j'avais pas reçu la clé. Mais maintenant que j'ai la clé, vous inquiétez pas qu'on va en profiter de cette clé. Ça c'était quoi ? Permet. Oui, réagir rapidement, hélicoptère, etc. Yeah ! Oh! Alors, contrôle, perte d'altitude, ok. Ah, on peut pas faire de photo en hélico. Ah. Bonjour! Ah, je peux pas me poser sur les. Je peux pas me poser. Attendez, ils sont revenus. Voir les fossiles. Alors, ça on vend 100 000. Ça, on vend 120 000. Ceratosaur. Ok, pour le moment je les garde. On va plutôt faire de la recherche de Triceratops. Ah, attendez, je peux faire mon fast food. Fast food. Il y a une place là. Après, la porte sera difficile d'accès, mais c'est pas grave. Ok, fast food, c'est good. Captain. Et on va relancer une expédition pour le Triceratops. Ici. Et j'ai 180 000, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire une recherche. Recherche, fossiles, éléments génétiques, traitement médical, amélioration des bâtiments. Non, on va débloquer la boutique de t-shirts pour faire de la thune. Ah, 200 000, ça fait cher. Hein. Les chiffres ne mentent jamais, et les vôtres sont impressionnants. Ah, par contre, on a plus de courant. On a plus d'électricité, donc je dois pouvoir améliorer la centrale électrique. Emplacement d'amélioration libre. Non, ok, il faut que je fasse la recherche de... Recherche électrique. Non, c'est pas ça que je veux. Accès de recherche. Amélioration de bâtiment. Production améliorée. Voilà. Ça prend combien de temps ? 3 minutes. On peut en faire plusieurs de recherches ou c'est... Bonjour Black Chat. L'épissage de ce génome améliorera les caractéristiques défense et attaque. L'ADN de Crotal favorise une agressivité accrue comme système de défense. Réponse immunitaire, l'épissage de ce gène améliorera la caractéristique résistance et espérance de vie. Ça peut être bien, mais ça coûte pas très cher. Vas-y go. Alors je peux pas. Ok, je peux pas mettre de recherche à la suite. Eh hey, bonjour Oliver. Comment ça va? Comment vas-tu? Oh, il y aurait une belle photo là. Attendez, vite. Ils sont tous en train de manger autour de la mangeoire. Équipe de garde, conduire. Ça va bien, Oliver, ça va bien. Sors pas, hein. Ni fait que tu restes là. Je pense pas, quand on prend la voiture, je pense pas. Allez, elle est pas mal. Bon allez, on la vend à 3000. Ouais ouais, excuse, pardon. Allez, on sort de là, on a fait une belle photo. Il y avait un bruit de facto, de factorio, j'ai pas entendu. Ok, on a les trucs qui reviennent. Il y a des trucs à vendre, des trucs... Alors voilà, Triceratops, go. Il est pas super qualité mais c'est toujours ça. Hop, go. Et la recherche, elle en a quoi? Deux minutes.
On est à court de jus. Ah, ça va, c'est que le fast-food qui est pas amélioré. Nitsuga, merci pour le follow. Ouais, j'ai pas eu le bonus multiple, effectivement, sur la photo. On va relancer une expédition. Encore pour le Triceratops, je pense. Après, c'est garanti qu'on ait les trois. Edmond, Ceratosaur. Bon, on va jouer la sécurité, on va chercher ici. Trop loin pour le multiple, ok. La recherche. Moins d'une minute. Hein? Ouais, mais je peux pas, il est pas alimenté pour le moment. Allez, la recherche. A plus, Captain. Ok, recherche terminée. Production améliorée, 40 000. Production améliorée, 40 000. Voilà, comme ça, on va être bon un petit moment. Et normalement, au niveau du jus, aucun poste électrique. Alors, attendez, comment ça marche, ça, déjà? Poste électrique. Ah! Comme ça. Il faut que je le relie à ça. Voilà, et là, ça devrait être bon. Là, c'est bon. 100 000 balles! Merci. Je note ce contrat comme terminé. Excellent travail. Excellent travail. Et donc, j'ai une place pour une quête, là, une mission. Je comprends pas comment prendre la mission de ce mec-là. Mais pourquoi je peux pas? Mission disponible, un parc commercial. Ceux qui ont le jeu, comment je fais pour apprendre la mission là? Fossiles, recherche, base de données. Je sais pas. J'en aurai. Bon, on va pouvoir se lancer. On va se lancer un petit Triceratops quand même. 58%. Incubé. 230 000. On va peut-être attendre quand même qu'il ait un nouveau fossile. Hein. Ok. Ok, ok. Mais en fait, j'ai dû leur refuser Black Chat le contrat parce que j'avais pas de place. Ah, mais la barre de... Celle-là, réputation auprès des divisions. En fait, il me faut cette réputation pour la prendre, c'est ça? Mais non, parce que là, j'ai cette quête-là. J'ai réputation qui est en dessous. Je sais pas, je comprends pas. Ça marche, Nifex. Merci encore pour le sub, merci pour le mail. Et bon après-midi, à plus. Bon, je sais pas. On verra bien. Donc, nouveau fossile. Ça, on vend. Ça, on vend. Triceratops. Une étoile. Ah, il n'y a que des une étoile. Bon, c'est pas grave. Allez, tu fais ça, ensuite tu feras celui-ci. Et ensuite, on a reçu masse de thunes d'un coup ou c'est moi? Ah, là, on avait un bon Triceratops. Bah, du coup, on va tous les faire, vu qu'on a masse de thunes. Voilà, les petits cadenas, quand tu as atteint, ça débloque des choses. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Ah, différence entre contrat et mission. C'est pas la même chose. Ah, donc ça, c'est les missions. Mais ça met... Mission disponible. Je sais pas trop. Bonjour Midona. Là tu es dans réputation et pas contrat. Ah attends, c'est où contrat? Centre de contrôle, carte, vue gestion, clos, visiteur, électricité, aller, aménagement, détruire. Ça doit être dans centre de contrôle. Mission. Ah d'accord, attendez, donc j'ai cette mission là. Et je peux pas prendre celle-là parce que j'en ai une autre. Ok. Et contrat. Nouveau contrat. J'ai compris, demander un nouveau contrat, d'accord. Donc ici, je peux avoir ce contrat-là, gérer 50 000 de bénéfices par minute. Par minute de ce contrat. Ok, j'accepte. Nouveau contrat. J'ai compris, merci. J'ai fait quoi? J'ai accepté un truc sans exprès, non? Je sais pas.
Fuck, je crois que j'ai refusé un truc sans faire exprès. Ah, et t'as vu qu'il y a 48 000 par minute. 28 000. En bas à droite, 28 000. C'est déjà une mission, là, tu peux... Ok, je peux en avoir deux, mais il faut que j'attende, c'est ça. C'était une minute, donc, contrat. Nouveau contrat. Moins d'une minute avant la prochaine demande. Mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs contrats à la fois? Je pense, hein. Mission, c'est le scénar. Ok. Ouais, ok. Mission, c'est ce qui est écrit en gros, et scénar, c'est ce qui est en plus petit. Mission et... Bref, je me comprends. Nouveau génome viable, Ceratosaure. Excellent. Et est-ce qu'on peut faire venir un Triceratops? On va pas mettre de modo tout de suite. Le Triceratops à 70%, go. Et donc là, ça doit faire une minute. Donc normalement, mission... Non, pas mission. J'ai une nouvelle mission d'ailleurs. Non, parce que je viens de... Elle va arriver. Contrat. Voilà, maintenant je peux faire. Toujours pas. Du coup, ouais, j'ai pas du tout regardé le fast-food. Donc ça me coûte 2, je le vends 4. Je vais le vendre à 5. Ok. Bonjour, Amadès. Le Triceratops est en cours. Allez, ça fait une minute. Contrat, nouveau contrat. Putain, je crois que leurs minutes, elles sont un peu fuck up, hein. Augmenter plus le fast-food, il te rapporte rien par minute. Ouais, là, pour le moment, il me rapporte rien. Après, il vient d'ouvrir aussi, hein. Total par minute, zéro, ouais. Je le mets à 8. Je fais le bino... Attendez, je fais un bino bistro que je vends à 12. Là, ça devrait arriver. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Demander un nouveau contrat, ok. J'ai un travail à vous confier. Prélever si ça vous intéresse. Du nouvel ADN à partir de fossiles de dinosaures dans un centre de fossiles afin de compléter un génome à 50% ou plus. Go. Ok. On va relancer une expédition. Je crois que j'en ai pas lancé. J'ai pas débloqué de nouveau. Edmond, on s'en fout. Struthiomimus, on a déjà. Ceratosaur. Struthiomimus, Triceratops et Edmond. Bah, je pense qu'on va faire celle-là en fait. Ceratosaur. On va faire celle-là. Plus de fossiles, pas plus de chance. Tu dois d'abord valider un des deux contrats que t'as en cours avant de prendre un nouveau. Je peux en avoir que deux max. On a notre Triceratops qui est arrivé. Da da da. Da da da. Le gros tas de merde. Spécimens, je veux dire, dinosaures, répondent à nos attentes. Mais nous voulons les voir s'épanouir. Et ce sera là votre prochaine mission. Veillez à leur bien-être. Oui, le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains. Ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude. Ok, nous avons donc notre Triceratops. Je m'intéresse de près à votre travail. Et j'ai été déçu de constater que le docteur Doua s'est adressé à vous pour ce projet avant même de m'en faire part, comme elle l'aurait dû. Je lui en toucherai deux mots plus tard. Alors, construire un poste de garde opérationnel, c'est bon. Un Triceratops établi à 70%, incubé l'œuf et transféré le dinosaure. Donc il me faut un Triceratops à plus de 70. On est à combien sur les tricés? On est à 70. On va peut-être attendre juste que l'expédition revienne pour l'augmenter encore un petit peu. Ou est-ce qu'il me reste des fossiles? Ah, plus de fossiles. Ok. Élément de recherche du centre de recherche Ankylostone. Ankylostome. Alors c'est sous quoi ça? Alpestre. Préparation optimisée. Contrat terminé. Au nom de la division divertissement, je vous remercie. C'est quoi l'Ankylostome? C'est pas dans les enclos. Traitement médical, peut-être. Ankylostome.
Flachette hypodermique, traitement antiparasitaire de l'ankylostome. L'ankylostomose, adapté au système digestif des dinosaures. Ok, bon, on va faire cette recherche. On a nouveau du pognon, c'est bien. Hein. Très bien. On a... Ils sont revenus. Ils arrivent, à l'instant. Voilà, donc Triceratops. On prélève l'ADN. Ça, on vend. Ça, c'est Edmontosaur. On recherche. Ok. Ah, elle coûte cher, les recherches, ouais. On va attendre que le Triceratops se termine. On va en créer un nouveau. Je pense qu'il va nous falloir une deuxième mangeoire, hein, tranquillou. Voir par rapport à la santé, confort et à la bouffe, surtout des dinos. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Alors par contre, je voulais voir un truc ici. Donc on peut mettre des améliorations. Ok, donc vitesse d'incubation, etc. Comment est-ce qu'on fait les, au niveau de la recherche du génome qu'on fait? Voilà, modifier le génome. Alors, gène nul. Attaque, défense. D'accord, donc là, je vais pouvoir choisir. Par exemple, je peux mettre ça. Moins de viabilité. Mais meilleure note. Ok. Moins de viabilité, mais meilleure note. Moins de viabilité, mais meilleure note. 35 de note. 32, 35, ok. Moins de viabilité, meilleure note. Et meilleure défense. Et ça, c'est bloqué. Ok. Et oui, ça attire les touristes, ouais, ça j'ai bien pensé. Donc ça, voilà. Par exemple, là, on peut lui mettre... C'est une apparence. Changer sa robe. Passer à 39, ça me paraît bien. On va faire ça. Appliquer le gène. Donc on perd 5%, mais ça va. Ah, tes souhaits. Et donc là, on en a un avec, voilà, une note améliorée. On est à 70%. 70, oui, 70. Incubé. Je vais relancer une expédition. Comment je fais pour... Vitesse d'accélération, rendement des fossiles. Ok, je pense que ça va se débloquer avec le temps. Plus de centres d'expédition. Ah, ok, il faut plus de centres d'expédition pour d'autres... Ok. On va rechercher le... Le Ceratosaur. C'était où qu'on l'avait? Triceratops. Ceratosaur. 75 000. 90 000. Nouveau fossile. Bon. Et je peux lancer... Ouais, j'ai plus beaucoup de thunes. On va peut-être attendre. Bonjour, Actares. Ok, il est bientôt terminé. Ça, ça rapporte du pognon ou pas, finalement? Alors, je comprends pas. Ça doit être buggé, ça. Parce que j'ai plein de monde qui rentre et qui sort. Mais visiteur, zéro. Revenu, zéro. Coût de fonctionnement, zéro. Total par minute, zéro. Je sais pas. Attendez, on doit pouvoir prendre une nouvelle mission aussi. Ici. Nouveau contrat, pardon. Opération de séquençage. Faut plus de génome via. Ouais, ça, on a vu. Nouveau contrat à lui. Il est vraiment, il est vraiment phénoménal. La 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 la. Merci Nico. Salut à deux, un mois de plus, tu le trouves comment? JWE, car je l'ai, moi je le trouve vraiment. Merci pour les 34 mois en tier 3, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors comment je trouve pour le moment? On découvre encore. Un petit peu mou pour le moment, mais on verra par la suite. Après, c'est un jeu de gestion, donc ce sera jamais de façon ultra excitant. Mais très chouette, pour le moment, très chouette. Merci en tout cas pour le resub, bienvenue. Du coup, attendez, on a besoin d'acide, des os, des oxy, plus d'ADN, quoi. Il nous en faut un point, c'est tout. Consultez ce contrat et récupérez-nous des fossiles. Menez à bien une expédition et exhumez un fossile de grande qualité. Ok. Après, ça va booster. Oui, je pense bien, là, on est au début, hein, évidemment. Évidemment, on n'a même pas encore un seul carnivore, donc... Ouais. T'en as quoi, toi? T'es bientôt dehors. Bientôt dehors. Construis une verrière, j'ai pas le nom exact, mais c'est dans enclos. Dans enclos. Dans enclos. Ah, mais je peux pas encore... Ah, si, attendez. Galerie par... Ah, une fenêtre sur le passé, permettant aux visiteurs de mieux observer les dinosaures. Peut-être ajouter directement à l'enclos. Tant... Ok, donc attendez, ça c'est cool. Par contre, c'est dans quel sens? On va le mettre par là.
Ouais, c'est bien dans ce sens-là. Alors, attendez. Vas-y, je sais que t'as un endroit là où tu peux le mettre. Je l'ai vu. Pourquoi tu veux pas contre un autre terrain à ta mère? Oh, bon, on va le mettre là. Hein. Hop. Une verrière! Il me faut la route. Comme ça, vous allez pouvoir regarder les dinos. Par contre, quand tu auras ton carnivore, pense à séparer les herbivores. Oui, oui, ça t'inquiète, je pense bien. Je pense bien. Ils ont tous l'air d'être bien, mes dinos. C'est cool. Est-ce qu'il est prêt, lui? Oui! Transférer les dinos. Ouais, ouais. On va voir sa nouvelle robe, du coup. Et du coup, Nico, tu seras le nouveau, hein? Oui, mettre la mangeoire devant, c'est prévu, ouais. Ça, c'est toi, Nico, avec une jolie robe. Ah, je vois pas trop la différence avec l'autre pour le moment. Alors, pas ça. Maladie contractée, fuck. Il y en a un qui est malade. Alors, attendez. Nicolas 19200. Bienvenue dans le parc. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Maladie bon ankylostomose. Vous avez un dinosaure malade sur les bras. Faites ce qu'il faut pour le soigner, ou vous en subirez les conséquences. Alors, de temps à autre, les dinosaures contractent des maladies qui peuvent être mortelles. Ouvrez la carte avec... afin de localiser rapidement les épidémies. Déployez une équipe depuis le poste des gardes. Le poste des gardes avec R ou administrez manuellement un médicament sur les dinosaures malades ou demandez une intervention médicale. Les gardes administrent les médicaments aux dinosaures depuis leur véhicule à l'aide de fusées hypodermiques. D'accord. Alors on peut le lancer. Cette expédition a assuré. Bien joué. On peut le faire à la mano, mais non. Nous on va le faire nous-mêmes. Conduire le véhicule. La vache. Votre réputation a crevé le plafond. La division divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanceros. Oh là, ça glisse par contre sous la pluie. Oh, et il pleut fort, hein. Ah, attendez, fusée hypodermique. R. Vous devez administrer un médicament à cet animal si vous voulez le sauver. Ok, on met headshot, hein, on est d'accord. Zoomer, prendre photo, radio. On l'a touché. Touché, administration de médicaments, bonus max de santé. On peut tirer plusieurs fois. Il faut tirer plusieurs fois ou pas? Cible non touchée. Ouais, ouais, je sais. Allez, une petite fusée dans le fion. Le poste des gardes a signalé une nouvelle cible. Touché. Ah merde, il y en a un deuxième. C'est bon, il a son compte, lui. Goddammit. Ah! Il est où? Non mais tu te fous de ma gueule. C'est pas toi, c'est celui qui est derrière. À portée de la cible. Bordel. Touché. Touché. Objectif atteint. Eh bon, toutes les sources de maladies rhinites ont été éradiquées. Il avait un rhume. Attendez, si je fais ça et que je sors maintenant. Je reprends les commandes. Transmission de message en cours. Attendez. Pam, putain, la musique est tellement cool. J'ai réussi. Nous allons créer un dinosaure de pure souche. Voilà qui va révolutionner le domaine. C'est un exploit que personne ne pourra ignorer. Oh, vous y avez joué un certain rôle, cela va sans dire. Sous ma tutelle, nous formons une équipe des plus efficaces. Il faudra recommencer. Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Doua s'acharner en vain dans sa quête. Mais grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Croit-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué? C'est sur ce qu'on va profiter de se laisser YouTube. Au revoir YouTube. Le chat, tu veux dire... Tu dis au revoir YouTube, le chat? Attendez, c'est où? C'est où? C'est ça, je crois. Le chat dit au revoir à YouTube. On dit au revoir à YouTube maintenant. Du coup, au revoir YouTube, merci de l'avoir suivi, à plus. Et une seule suffit, oui, mais j'ai mis... ça allait plus vite, j'ai l'impression, en mettant plus de flèches, donc voilà. Au revoir YouTube. Salut. Attendez, il faut juste que je note le temps de coupure, le temps de coupure...